Voilà, et on va donc. Ah, je reprends, pardon, excuse-moi. On va donc terminer cette visite sur ce salon Chèque pendant ces 2 jours avec les plus jeunes de ceux qui étaient présents sur les stands. Alors, ce sont les étudiants du CESI qui ont réalisé des choses magnifiques avec des imprimantes 3D tout au long donc de ce forum. Vous nous en parlez donc tous les trois. Alors, j'ai Jonathan, j'ai Christian. Présentez-vous un petit peu les uns et les autres. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christian, voici Jonathan et Charlie Jean. Nous sommes tous les trois alternants au CESI Alternance, où nous suivons un cursus de Bac plus 2. Et à côté de nos études, nous avons le plaisir d'utiliser une imprimante 3D, donc, avec laquelle nous pouvons réaliser de petits objets Alors on va les utilisables. montrer à la Voilà. caméra comme ça, voilà. Donc ça, c'est un petit support USB. D'accord, Qui peut ok. être très pratique dans la vie de tous les jours. Tac, on pose ses petites clés USB dessus. On peut également faire des petits logos. Les applications sont très nombreuses et variées. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos amis les Chinois qui commencent à imprimer des maisons Oui, avec, donc avec avec des imprimantes 3D, bien sûr. un Ouais. béton spécifique. Dans le domaine du médical, on arrive également à commencer à faire des prothèses. Oui. Donc pour les personnes où il leur manque des os, qui ont des déficiences, Bien sûr. Le domaine d'utilisation est très vaste et très prometteur. Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous, parce Mais de que vous rien. êtes des acteurs donc de ce numérique, de cette transformation numérique et digitale qui était le sujet de cette édition de Chèque. Et puis merci beaucoup parce que vous nous avez réalisé notre logo en 3D, Effectivement, M un petit Provence. logo M Et grâce Provence. à vous, donc, on est maintenant présent dans toutes les dimensions. Oui. Donc merci beaucoup et à Mais très de bientôt. rien. Au revoir. Merci.